Merci. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Mademoiselle Claire Avery. Oui, je vais l'appeler. Un instant. Merci. Allô, Mademoiselle Avery? Un monsieur vous demande à la réception. Marcia Landon. Merveilleuse. Étrange. Tragique. Et malheureuse. Qui était devenue une des plus grandes vedettes de notre temps. On ne parlait que d'elle. Il y a deux semaines, désespérée et seule, elle s'est donnée la mort en avalant un somnifère. Des millions de gens la connaissaient, ou du moins son visage. Mais connaissait-il la femme? Oui, moi. Oh, bonjour, Claire. Je vous ai fait attendre? Non, je viens juste d'arriver. Quelle tragédie. C'est pour ça que je vous ai fait venir. Ah oui? Marcia ne voulait pas mourir. Mais c'est... Je sais, légalement, c'est un suicide, Simon. Mais c'est un meurtre. Et je ne connais qu'une seule personne qui soit en mesure de trouver la solution. C'est vous, Simon Templar. Vous étiez très lié avec elle. Oui. Juste avant sa mort, j'ai voulu essayer de l'aider, mais c'était déjà trop tard. On ne pouvait rien pour elle. Claire, si vous me racontiez tout depuis le début. Il y a fort peu de personnes qui savent comment c'est arrivé. La nuit qui a précédé le début du tournage du dernier film de Mike Sentinel, elle avait veillé tard à cause des essayages et elle s'apprêtait à sortir. Il faisait très sombre, personne dans les couloirs. Elle a descendu l'escalier en direction de la sortie. Quand elle a entendu son nom, alors elle s'est retournée, et là, un homme caché dans l'ombre lui a jeté de l'acide au visage. Elle a réussi à remonter l'escalier. Elle a appelé de toutes ses forces. Mike a appelé un docteur, mais on ne pouvait rien faire d'autre. On l'a emmenée dans une clinique. On lui a dit qu'on pouvait réparer en partie les dommages, mais Marcia savait bien que plus jamais elle ne pourrait travailler. Comment avez-vous pu cacher ça à la presse? Mike s'en est occupé, je suppose. La presse a dit qu'elle était malade. Et comment était l'homme qui était caché dans le couloir? Oh, eh bien, il faisait trop noir. Elle a juste entreaperçu un chapeau qui cachait un visage et un vêtement de pluie. C'est peu, l'enquête sera dure. Oui. De toute façon, en sortant de la clinique, elle ne voulait voir absolument personne. Elle sortait pour faire quelques pas avec moi, mais toujours la nuit. Plus souvent seule. Alors une nuit, la pauvre s'est sentie perdue et en rentrant, elle a pris des pilules. Bonsoir. Oh, Mike. Mike Sentinel, Simon Templar. Monsieur. Sheila, ma femme. Madame. Votre Très table heureuse. Est retenue. Merci. Vous avez déjà soupé? Oh, c'est dommage, nous aurions pu souper ensemble, ce sera pour une autre fois. Bonsoir. La police a retrouvé l'homme ou non? Non. Et demain, c'est le début du tournage du film de Mike. C'est moi qui remplace Marcia Landon. Marcia est morte. Quel effet ça vous fait? J'aurais aimé que ça se passe autrement. Elle n'a rien de Marcia Landon, tu sais. Oh, je le sais, il n'y a pas de Marcia. Non, et tu ferais bien d'y penser. Si seulement j'avais su deviner son état. Ah, bon. Tu as fait ce que tu pouvais et personne ne pouvait l'empêcher de mourir si elle le voulait, tu le sais. Non, je suppose que non. Excepté Claire. Mike, cessons, veux-tu? Cessons quoi? Cessons de parler tout le temps de cette belle amitié entre elles, c'est ridicule. Le jour de l'enterrement, Claire avait du mal à ne pas applaudir. Mike, tu peux te parler? Oui, bien sûr. Viens par ici, si tu veux. Écoute...
J'ai signé un contrat qui dit que je suis la vedette avec Marcia London. Oui, pour des raisons majeures, c'est devenu impossible, tu le sais. Bien sûr, seulement celle qui la remplace est une petite actrice inconnue. Personne ne parle de... Non, attends un peu, je vais te dire. Eh oui, je t'écoute. Alors voilà. Toi, tu as le rôle, et moi, je dirige. Toi et moi, nous devons obéir aux producteurs, et c'est tout. C'est amusant. En général, tu fais ce que tu veux, des producteurs. Non, ne t'imagine pas ça. Allez, sois gentil. Tiens ton rôle, n'essaye rien d'autre. La vedette est éphémère. Je crois que tu es en train de faire une très grosse erreur, tu sais. Elle n'a aucune des grandes qualités qui font une vedette. Et tout le monde le dit, Mike. Elle n'a rien, je t'assure. Aucune expérience, aucune présence. Chacun sait qu'elle n'a pas ton expérience. Bien, tu as raison. Et tous les autres ont tort, n'est-ce pas? Tu sais très bien que les filles dans le genre de cette Claire ou de cette Marcia ont le talent à la mesure de leur tour de poitrine. On peut en trouver des milliers comme elles. Tu n'es pas de cet avis? Toi et moi, nous avons fait beaucoup de films ensemble. Ça pourrait être le dernier. C'est une menace. Parce que, tu sais, ce serait mauvais. Je suis capable d'être deux fois aussi dangereuse que la femme la plus dangereuse que tu aies connue. Pour moi, Johnny? Non, mademoiselle, personne ne vous aime ce matin. Pour qui sont-elles? Pour Claire Avery. Oh, elles sont ravissantes. Qui les envoie? Moi, bien sûr, qui d'autre? Écoute, Johnny, laisse-moi te donner un très bon conseil. Tu t'en souviendras quand tu seras producteur. Quand on envoie des fleurs à la grande vedette, on est obligé de surenchérir. Et ça finit par les visons, les colliers de diamants et la faillite. Rappelle-toi. D'ici que je sois devenu un producteur, j'ai le temps de réfléchir à ça très sérieusement. Cigarettes, chocolat, berlingot, bonbons à la menthe, fleurs naturelles. Pour moi? Hey, pour moi? Pour qui voulez-vous que ce soit avec une carte de... Bon sang, c'est le grand patron, Mike Sentinel. Ça y est, les visons, les diamants. Oh, Denis, oh, c'est gentil de sa part. Regardez ces fleurs. Johnny, voulez-vous vous tenir correctement? Vous, allez sur le plateau en vitesse. Tenez le courrier. Merci. Hé, attendez, je viens. Vous connaissez celle de l'opticien qui n'avait pas d'enfant, mais qui avait des jumelles à ne savoir qu'en faire. Je la trouve très drôle. Merci. Ça ira, chérie. Merci, Johnny. Allô? Claire, comment allez-vous? Je viens de recevoir une lettre en caractère d'imprimerie. Ce sont des menaces. Oh, surtout ne parlez de ça à personne, entendu? Simon, j'ai peur. Oui, bien sûr, je comprends ça. Où est-ce que vous êtes? Au studio, j'y serai dans quelques minutes, Claire. D'accord, Simon. S'il vous plaît, j'attends. Vite! Claire, chérie? Entrez. Je suis venue voir votre chance. Où sont donc les télégrammes? Oh, ces fleurs sont ravissantes, merveilleuses. Elles sont de vos parents? Non, M. Sentinel les a envoyées. Oh, que c'est gentil. Combien de fois avez-vous tourné avec lui? Oh, c'est, il me semble, la 7e fois. J'aimerais bien en être là, moi aussi. Oh, vous êtes merveilleuse, tout le monde le dit. Non, merci, mais je comprends que vous ayez le trac. Après tout, vous êtes ici dans la loge de la grande vedette, n'est-ce pas? Je crois que Marcia London devait elle aussi ressentir une certaine frayeur lorsqu'elle se maquillait en attendant l'heure. Et vous êtes la nouvelle Marcia London? Irène, non. Vous avez toutes les deux le même regard, la même bouche. J'aimerais jeter un coup d'œil sur mon rôle. Je vous en prie. Voilà une excellente idée. Et n'oubliez pas que nous pensons tous à vous. Merci. Ce qui est arrivé à Marcia London vous arrivera aussi, à moins que vous ne déposiez 5000 livres en billets de 5 livres dans la poche à papier qui se trouve sur votre chaise sur le plateau à 6 heures demain soir.
Et si vous avertissez la police, je ferai de telle façon que vous souhaiterez mourir. Simon, pourquoi moi? N'en sais rien. C'est peut-être parce que vous avez une certaine ressemblance avec Marcia London. Peut-être. Qu'aviez-vous d'autre en commun? C'est elle qui devait tourner ce film. Moi, je ne l'ai que remplacée. Ça pourrait avoir provoqué de la jalousie. Oui, mais de qui en particulier? Vous savez, presque tout le monde ici pense que le rôle est bien trop important pour moi. Pourquoi? Je n'ai pas d'expérience. Et je sais que c'est vrai, j'en suis consciente. Et est-ce que personne n'aurait des griefs contre Mike Sentinel? En scène pour le 4, on vous attend. Laisse-nous, Johnny, tu veux? Tout est prêt, on vous attend. Ne m'attendez pas, je reste ici. Vous voulez rien, hein? Je n'en ai pas envie, Johnny. Qu'est-ce que je vais dire, moi, à Monsieur Sentinel? Eh bien, dis-lui que je ne viens pas. Ça n'a rien de compliqué. Tu n'es pas aussi embarrassé en général. Eh ben. Oh, je saisis. J'espère qu'il saisira aussi. Eh bien, si ça commence comme ça. Comme d'habitude. Si on ne les dresse pas au départ, un beau jour, ça vous marche dessus, c'est connu. Non, pas sur moi. Tu vois, Mike, c'est ça l'inexpérience professionnelle. Nous en parlions. Oui, tais-toi, veux-tu? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gars dans sa loge et elle prétend qu'elle ne vient pas travailler. Et alors, Johnny? Est-ce que je sais? Elle dit qu'elle ne vient pas. C'était à prévoir. Vouloir faire d'elle une autre Marcia London. C'est bien trop lourd. Ah, Monsieur Templar. J'aurais en d'autres circonstances apprécié de vous revoir. Aujourd'hui, pas du tout. Savez-vous ce que coûtent ces quelques minutes que nous perdons à cause de vous? Tenez, jetez d'abord un petit coup d'œil là-dessus. Et contactez la police tout de suite. Mike, non. Oh, vous ne songez tout de même pas à payer. Je sais ce que Marcia ressentait, comment elle était après. Et je sais comment je serai aussi. Je crois que le mieux à faire, c'est de partir, et dès que possible. Mais on ne vous blâme pas d'être effrayé. Je ne pourrai jamais être une Marcia London. Je n'en ai pas le talent. C'est à moi seul d'en être juge. Je sais que je ne saurais pas, j'en suis persuadée. Est-ce que c'est une excuse que vous voulez trouver? Vous allez briser votre carrière. Oui, je sais. Simon, qu'est-ce que je dois faire? Claire, vous ne devez pas lâcher. J'ai une peur atroce. Oui, nous le savons bien. Laissez M. Templar vous raccompagner et demain nous... Et demain, M. Sentinel, je suggère d'avertir la police. Et de mettre les 5000 livres comme la lettre vous en donne l'ordre. Et nous verrons qui viendra retirer l'argent. Je vous assure que si vous restez sur le plateau, vous allez sûrement lui faire peur. Bien que M. Templar surveille, alors. Je ne pourrai pas, inspecteur. La moitié des gens qui sont là me connaissent. Ah, bien sûr. J'aurais aimé assister au tournage. Mais vous surveillerez dans la journée. Moi, je vous reprendrai à 6 heures si c'est nécessaire. Je vais donner ça à Claire. J'espère que je reverrai un jour cet argent. Sûrement, monsieur. Et avec intérêt. Ça, plus celle ou celui qui viendra le chercher. À moins que vous ne laissiez 5000 livres dans la poche à papier de votre chaise. Voyons, la personne qui a composé ça devait sûrement connaître le studio. Cherchez un petit rôle, Monsieur Templar. Je n'ai aucun talent, vous savez. Ça n'a aucune importance, voyons. Le talent est inutile de nos jours. Vous n'y connaissez rien, surtout si c'est Mike Sentinel qui dirige. Vous ignorez sans doute qu'Irène était dans un cirque avant. Elle faisait de la figuration. Ah, je l'ignorais, oui. Dans le numéro des serpents venimeux, elle faisait la vipère. Excusez-moi.
Claire, s'il vous plaît. Je suis prête. Claire, il n'est pas là? Oh, désolée, Johnny. Mon rôle est peut-être resté dans ma loge. Désolée. Et celle de l'opticien qui n'avait pas d'enfant, mais qui avait des jumelles en quantité dans la vitrine. Johnny. Oui? Vous connaissiez Marcia London, non? Comment était-elle? Oh, ça, monsieur, elle était merveilleuse. Elle était comme une grande dame gentille. Avec elle, je me faisais l'illusion d'être quelqu'un. Vous croyez donc pas être quelqu'un? Vous voulez rire? Je suis troisième assistant. Une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Du feu? Merci. Attention, le rouge. J'aimerais bien avoir le silence, je vous en prie. Allons-y. Vas-y, démarre. Moteur. Allez-y. Subterfuge, huitième fois. Tu attends de moi la tolérance. Je ne dois rien refuser, tout pardonner, c'est bien ça. Mais dans de belles conditions. Oh. Coupez. Excusez-moi, Mike. Excusez-moi. Claire, étant donné les circonstances, vous méritez une médaille pour ce que vous faites. Merci. Essayez de vous détendre un peu. J'essaierai, oui. Right, red light, please. Silence, s'il vous plaît. Ça donne. Ça n'est pas tellement bien. Est-ce qu'elle s'en tire? Cette chère demoiselle Avery a, je crois, autant de talent que de mémoire. Mais allez-vous vous taire, oui ou non? Allons-y. Subterfuge, première, quatrième fois. Et dégagez. Allez-y. Mais qu'est-ce que tu attends du mariage? De la considération, c'est tout. Laisse tourner. Si elle ne se rappelle même pas un rôle si modeste, qu'est-ce que ce sera? Allez-y! Mais qu'est-ce que tu espères du mariage? Mais, voyons, de la considération, et puis te voir un peu, de temps en temps. Coupez! Ça va, c'est bon. Tu prends note, Jeanne. Ça va, mon petit. Plus tard, ma chère. Bonsoir. 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 Alors, Simon? Rien du tout. Personne n'y a touché. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous invite au restaurant et vous irez dormir. Merveilleux. Je vous retrouve à l'entrée. D'accord. Et alors? Rien. Dans la nuit, peut-être. J'ai mis quelqu'un de garde et moi, je reste jusqu'à 10 heures. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Je vois déjà les titres des journaux. Une belle actrice menacée. Tu ne crois tout de même pas que je vais profiter de cette publicité, Sheila? Claire en photo dans les plus grands journaux. Tu n'as aucune idée de ce que je suis en réalité. Oh, par exemple, je te connais mieux que quiconque. Tu es retors et sans scrupules. Tu marcherais sur ta mère si ça pouvait être utile. Oh, serais-tu en colère? Tu ne l'es jamais. J'admire ta sérénité. Et à ton aise. J'ai raison. Sinon, tu ne serais pas ce que tu es, chérie. Et moi, je ne porterais pas cette sorte de manteau. Je vais fermer, monsieur. Oui, d'accord. Je vais au bureau. Bonne nuit. Bonne nuit.
Dormez bien, inspecteur. Elle était merveilleuse, n'est-ce pas? En effet. Vous deviez la connaître? Oh. Pas plus que la plupart des gens. Je veux dire, avait-elle de la famille, des relations? Eh bien, je crois qu'elle était orpheline. Elle a un frère quelque part, je crois. Ah, et où peut-il être? Birmingham, ce qu'elle disait. Elle n'a jamais parlé beaucoup de ça. Mais vous l'avez rencontrée? Oh non. Il n'était pas à l'enterrement? Non, il n'est pas venu. Il est invalide, je crois. Dans une maison de repos. C'est du moins ce qu'elle disait. Je sais qu'elle payait la pension chaque mois pour lui. Elle a laissé une certaine somme aussi dans son testament. J'arrive. Je suis prête. Claire, chérie, comment ça a été? Assez mal, j'en ai peur. Oh, sûrement ça ira mieux demain. Vraiment, je me le demande. Souriez un peu. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Claire Avery? Oui, c'est moi. Vous savez lire, je suppose. Oui, je sais lire. Qui est là? Je vous ai dit dans ma lettre de ne pas prévenir la police. Vous l'avez fait tout de même. Mademoiselle Avery, vous allez devoir en supporter les conséquences. Regardez-vous une dernière fois dans votre miroir. Merci de l'avoir amenée. Encore une chance qu'elle travaille, ça peut peut-être l'aider à penser moins. Peut-être, espérons-le. Monsieur Sentinel, surtout ne jamais la laisser seule sur le plateau de tournage. À aucun moment, c'est bien entendu, hein? D'accord. Elle n'a pas reconnu la voix? Oh, elle était déguisée. Elle dit ne l'avoir jamais entendue. Je ne peux imaginer que ça puisse arriver. Quand je pense au visage qu'avait Marcia aussitôt après... Alors, vous savez dans quel état est Claire. Elle est absolument terrifiée. Voilà. Ça doit aller. Très bien, je vous remercie. Vous semblez préoccupée, mademoiselle. J'ai eu une nuit agitée, j'ai mal dormi. J'espère que ce n'est pas à cause du film, en tout cas, parce que vous êtes très bien. Tout le monde le dit, vous savez. À part quelques-uns, bien sûr, vous savez lesquels. Pas besoin de dire les noms, ils sont jaloux. Il y a toujours des gens qui sont persuadés qu'ils sont lésés. Ils feraient n'importe quelle bassesse. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce que vous tenez. Oh, ça? C'est de la laque pour les cheveux. Je voulais vous en mettre. Mais qu'est-ce que vous avez? Ne m'approchez pas! Simon! Mais regardez. Donnez-la-moi. Je vous demande pardon, je m'excuse. Oh, je suis tellement fatiguée, ne m'en veuillez pas. Mettez cette laque, allez. Oh, vous savez, mademoiselle, ce n'est pas indispensable. Claire, vous faites face à Barry sur le sofa. Allez, allez-y, tu as ton argent. Tu as ton argent, la maison, tu peux y rester. C'est tout ce que tu veux. Tu lui tournes le dos, tu prends ta valise. Toi, tu vas vers le meuble...
Tu prends le revolver dans le tiroir. Pousse cette valise, je t'interdis de sortir. Tu entends? Ouais, c'est ça. Allez, on y va une fois et on verra ce que ça peut donner. Allons-y. Envoyez le rouge. Silence tout le monde. Allons-y. Moteur. 134, première fois. Tu as ton argent. La maison. Tu peux y rester si tu veux. C'est tout ce que tu veux. Pour cette valise, tu ne sortiras pas d'ici. Ne sois pas stupide. Lâchez ce pistolet et que personne ne bouge. Selon vous, quelle est l'explication? Ça alors, j'en sais rien. Je savais qu'on tournait la scène cet après-midi, alors aussitôt après la pause, j'ai sorti l'arme, je l'ai nettoyée, j'ai mis les cartouches habituelles et je l'ai mis dans le tiroir du petit meuble, et c'est tout. Mais moi, j'aurais pu la tuer. À quelle heure avez-vous repris le travail? Vers 2h moins le quart. Et vous avez tourné à quelle heure? 3h moins le quart. Oui. Donc l'arme est restée dans le tiroir de 2h à 3h moins le quart. C'est ça. Et n'importe qui a pu y toucher et mettre de vraies balles à la place des vôtres. Vous êtes bien de cet avis? Je suppose que oui. Vous n'avez vu personne y toucher? Monsieur Alden. Je n'ai touché à rien avant de tourner la scène. Si, monsieur. C'était au cours de l'essai. Ah oui. Vous n'êtes pas très heureux, on dirait, de participer à ce tournage en compagnie de Claire Avery, hein, monsieur Alden? Eh bien, non, je l'avoue. J'en ai même parlé pas plus tard qu'hier à Mike Sentinel, mais il a passé outre. Alors j'ai essayé de la tuer. Si vous faisiez mon travail, vous éviteriez les plaisanteries de ce genre. Il n'en reste pas moins qu'on a bien essayé de tuer Mademoiselle Avery. Oui, mais ce n'est pas moi. Très bien, vous pouvez disposer. Merci, monsieur. La vertu outragée, hein? Chacun a ses propres réactions. Je vais voir où en est clair. Inspecteur, il ne me reste plus qu'1h20. J'ai une scène à faire encore avec Irène Cromwell. Pas d'objection? Non, non, du tout. Je vous ai regardé travailler. Venez donc me voir à votre tour. Oui. Ah oui, j'aimerais, oui. Comment va-t-elle? Elle se repose. Je lui ai donné un tranquillisant. Mais il ne faut pas la déranger maintenant. Seulement passer ma tête par la porte. N'êtes pas raisonnable. C'est vous qui avez dit... Je sais. Alors, Claire. Entrez. Quand vous serez décidé, nous nous en irons. Simon, qui donc peut m'en vouloir et me détester autant? Nous le saurons. À tout à l'heure, je passerai vous prendre. Surtout que personne n'entre. Si j'avais été là quand vous étiez tout petit, croyez-moi, vous auriez appris ce que c'est que l'obéissance. Je crains qu'il ne soit trop tard. Hey, mais où courez-vous donc? J'ai perdu un jeune maître d'école, je me demande où il est et il faut que je le retrouve. Oh, éclair. Elle dort. C'est sûrement ce qu'on fera tous très bientôt si on n'arrange pas ça. La police est là et fait de son mieux. Si je peux être utile... Comment va-t-elle? Elle se repose. Monsieur Sentinel, je crois que je saisis. Tout ça est une mise en scène pour effrayer Claire, c'est tout. Je crains que ce soit maintenant que l'homme inconnu passe à l'action. Mademoiselle, vous allez bien? Voulez-vous quelque chose? Non, rien. Oh, si, j'aimerais boire du thé. Je crois qu'il y a encore quelqu'un au restaurant. J'y vais. Surtout, gardez la porte fermée à clé. Entendu. J'en ai pour une minute. Coupez.
Très bien, Irène, c'est parfait. Ce sera tout pour ce soir, je vous remercie. Terminé. Vous l'avez déjà ramené? Non, j'irai dès qu'elle le voudra. Je serai dans mon bureau si vous voulez me voir avant de sortir. Très bien, merci. Vous aimez le cinéma? Ah oui, 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 beaucoup, oui. Mais tout ce travail pour si peu de choses. Hein. Enfin, je parle de la quantité. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça change de la routine habituelle. Je pense que je reviendrai demain. Si toutefois il vous laisse entrer, vous avez jeté une pierre dans son beau jardin, inspecteur. Bonne nuit. Bonne nuit. Allô? Oui, Laura. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que ça peut faire? Où est l'argent? S'il vous plaît, cessez de m'importuner. Les 5000 livres, mettez-les sous le cache-microphone cette nuit. Sinon, votre joli visage en souffrira. Compris? Oui. Cette nuit. Cette nuit. Un moment, Mike. Avez-vous gardé les 5000 livres? Oui. Soyez gentil, donnez-les-moi. Pourquoi? Mike, je vais payer. Vous avez une autre lettre? Claire, si vous avez reçu des menaces, il faut le dire à l'inspecteur Carlton. Mike, je vous en prie, j'en ai besoin, prêtez-les-moi. Je vous supplie de ne pas m'abandonner. Monsieur Sentinel, ici Simon Templar. Pouvez-vous conduire Claire pour moi? Faites-lui mes excuses, un petit imprévu. Merci.
Alors, Johnny? Je vois. Vous lui avez jeté l'acide au visage et vous alliez le faire encore contre Mademoiselle Avery. J'ai seulement envoyé la lettre, rien de plus. Je n'ai jamais jeté d'acide à personne, je le jure. Pourquoi aviez-vous donc besoin de tant d'argent? Vous étiez bien payé. Suffisamment, en tout cas. Vous avez perdu. Vous jouez, c'est ça? Oui, je joue, bien sûr. J'ai plus de dettes à moi seul que tous les joueurs de Londres réunis. Monsieur Sentinel, je travaille pour vous depuis longtemps. Vous me connaissez bien. Je vous en prie, soyez gentil, sortez-le du bureau. Quand je songe à ce qu'il lui a fait... Ça n'est pas moi, je le jure. J'ai juste demandé l'argent. Allez, emmenez-le. Allez, en route. Monsieur Templar, vous savez ce que je pensais d'elle. Je n'ai pas attaqué Marcia. Je ne pouvais pas faire ça. Dire que Marcia s'est tuée à cause de cette espèce... Non, c'est un autre qui a acheté l'acide sur Marcia. Mais voyons, il a quand même envoyé cette lettre pour payer ses pertes au jeu, en menaçant de faire à Claire ce qu'il a fait à Marcia. Marcia a-t-elle aussi reçu des menaces de ce genre? Non, pas que je sache. Si elle en avait reçu, vous l'auriez su. Oui, bien entendu. Il faut trouver un motif plus valable. Qui doit hériter de ses biens, de tout ce qu'elle possédait, vous le savez? Elle avait un appartement depuis 6 mois. Il est encore fermé, on attend une expertise. Quant aux effets qui étaient personnels, c'est très certainement son frère qui les a. Que sait-on sur ce frère? À part évidemment le fait qu'il est à Birmingham et invalide. Rien, je ne l'ai jamais vu. Et je ne connais personne qui l'ait rencontré. Ah? Alors voilà qui va changer, tout de suite. Je vous dirai de quoi il a l'air quand je reviendrai de Birmingham. Templar, Monsieur Landon. J'espère que je ne vous ai pas fait trop attendre, mais je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Commençons, si vous le voulez bien. Je vous écoute. Je pense tout d'abord que vous savez de quoi est morte Marcia. En tout cas, les raisons. Je sais, oui, on l'a défigurée. Oui. Une amie à moi, une jeune actrice qui s'appelle Claire Avery, a été menacée du même traitement. Est-ce que vous pouvez m'apporter aide, Monsieur Landon? Comment? Eh bien, dites-moi tout sur votre sœur. Tout sur elle? Ou sur sa légende? Sur elle. Eh bien, nous avons grandi ensemble dans le même orphelinat. Et je suis devenu international dans l'équipe d'Angleterre, une célébrité. Le lendemain du départ de Marcia pour Londres, j'ai eu un accident de voiture. Les deux jambes fracturées. Je comprends. En tout cas, Marcia a continué son ascension. Elle allait vite et elle est allée très loin. Je suis devenu le boulet. Je ne lui reproche rien, elle était jeune. Et je dois dire qu'elle m'a aidé beaucoup financièrement. C'est elle qui chargeait de la pension. Et elle m'a laissé une petite rente pour le reste de mes jours. Mais à une condition. Une condition? Quelle condition? Que je reste de mon plein gré hors de sa vie. Que je ne cherche jamais à la voir ni à communiquer avec elle. Et ne raconte à qui que ce soit l'histoire de sa vie. Pourquoi? Oh, Marcia a eu beaucoup d'aventures. Producteur, directeur. Ça ne comptait pas pour elle. Tout ce qu'elle voulait, c'était monter encore. N'importe quel moyen lui était bon pour arriver. Est-ce qu'elle vous a parlé déjà de Mike Sentinel? Oui, souvent, oui. Elle semblait y tenir beaucoup. Il voulait se séparer de sa femme et l'épouser. Seulement, il lui aurait fallu ma permission. Votre permission? Oui, il y a un petit détail que vous ignorez. Quoi donc? Eh bien, nous étions à Birmingham, on vivait à l'orphelinat, mais... Mais en fait, Marcia Landon n'était pas ma sœur. J'étais son mari.
je suis là. Je vous ai fait attendre. Non, je rentre à la minute. Qu'alliez-vous faire à Birmingham? Confirmer une impression. Johnny n'a pas jeté l'acide. Alors qui est-ce? C'est ce que je vais chercher à savoir. Ça ne vous gêne pas qu'on fasse un détour pour aller chez vous? Où ça? Où Marcia habitait. Mais comment allez-vous entrer? Vous avez la clé? Non. Elle restait ici pendant des heures, à regarder le flot des voitures, les gens qui rentraient du travail, les autres qui sortaient pour la soirée. On croirait qu'elle va rentrer tout à l'heure. Où est le miroir ? Elle avait peur de son visage. Elle ne voulait pas le regarder. Elle avait supprimé les glaces. Claire. Oui? C'est la même que la vôtre. De l'argent ou vous serez défigurée. Oh, cette fois, c'est une preuve. Ces menaces sont de Johnny. Cette lettre a été faite avec des caractères de journal pas très vieux. Regardez la date. Il est d'hier, j'en suis sûr. Il est donc impossible que Marcia ait été menacée. Mais pourquoi alors? Si je crois comprendre, cette lettre aura été déposée dans la journée. Pourquoi faire? Pour être absolument sûr que Johnny Newman serait accusé d'avoir lancé l'acide sur Marcia, c'est clair. Et celui qui a mis cette lettre possède la clé de cet appartement. Elle était dans le tiroir d'une table de nuit. Je l'ai trouvée chez Marcia Landon il y a une heure. Quant à en connaître l'auteur... Mais c'est Johnny? Non, je ne crois pas. Celui qui a posé la lettre là-bas possédait une clé. Y auriez-vous insinué que c'est moi qui... Pourquoi pas? Avez-vous une clé? Bien sûr que non. Marcia Landon a été cruellement et horriblement défigurée. Johnny Newman n'a rien à se reprocher à ce sujet. C'est vous le coupable. C'est absurde! Vous avez une clé de l'appartement, je le sais. Vous aimiez Marcia. Et vous vouliez vous marier. C'est exact, oui. Mais je ne suis pas allé chez elle depuis qu'elle s'est tuée. Madame Sentinel, je m'excuse d'étaler tous ces détails devant vous. Je sais à quel point cela vous est pénible. Mais vous ignoriez la liaison de votre mari. Oui. Non, tu ne l'ignorais pas. Mike. C'était toi, n'est-ce pas? Moi? J'y ai pensé pendant un moment, mais c'était si horrible. Je n'ai pas pu y croire, vraiment. La nuit où ça s'est passé... Tu étais sorti. Vous étiez habillé en homme, vous la guettiez dans le noir. C'est parce que je ne pensais plus qu'à ma jalousie. Elle m'aurait enlevé Mike. Elle aurait pris ce qui me restait. Vous avez mis la balle aussi l'autre jour au studio. Je voulais que Claire ait peur et qu'elle ne fasse pas pareil. Et vous vouliez juste effrayer Marcia aussi. Je ne savais pas qu'elle se tuerait. Oh, je ne savais pas. Je ne savais pas. Bonjour, Jacqueline. La clé, s'il vous plaît. Voilà, mademoiselle. Vous savez, plus je vous vois, plus je trouve que vous ressemblez à Marcia Landon.
Oh, c'est gentil. Elle était merveilleuse. Oui, merveilleuse.